Eh bien salut à toutes et à tous, c'est Exa, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo. Et aujourd'hui l'épisode numéro 4 de Jurassic Adventure, donc on tenait à s'excuser voilà pour vendredi qu'il n'y a pas eu d'épisode. On avait quand même pas mal de choses à faire, on n'a pas forcément trouvé le temps d'en faire un, voilà, donc toujours en cours Pardon. ça se frost, hein, bien évidemment, hein, voilà. Donc voilà, donc on va vous tourner un petit épisode d'aujourd'hui. Alors il va être forcément long, bien évidemment, parce qu'on a pas mal de choses à faire également aujourd'hui. Donc voilà, donc aujourd'hui on a pas mal de choses à faire également. Donc on va, je vais tout de suite vous faire voir donc des nouvelles ADN qu'on a, donc que j'ai faites vite fait avec les ambres restantes qu'on avait. Donc on a eu un T-Rex, on a eu toutes ces conneries là, et surtout 3 Triceratops, donc 3 nouveaux Triceratops. Du coup ça va être plutôt bien pour nos amis les nouveaux qui y a là-bas. Du coup à la fin également de la vidéo on va vous proposer un sondage, donc restez bien jusqu'à la fin. Hop, je sais pas si ça sera un sondage dans la description ou si vous pourrez répondre dans les commentaires, hein, ce sera pareil. Plus le droit de faire des sondages dans la description sur YouTube je crois. Ah ouais? Bah au pire, ouais. Au pire ce qu'on fera dans le lien, voilà, il y aura un lien dans la description où vous pourrez voter. Donc voilà, donc pour savoir si on va arracher un petit dino ou si on le déplace ici, enfin bref vous verrez bien. Donc du coup voilà, donc vous pouvez voir déjà donc Caroxas Frost donc a fait un nouvel enclos. Donc du coup pour on ne sait pas encore qu'est-ce qu'il va y avoir dedans, enfin on a une petite idée, mais voilà, il nous faut les cellules qu'il nous faut, voilà, tout ça, tout ça. Également, on a fait donc deux petits name tags, donc du coup, qu'on va tout de suite, on a fait une entrée également ici, donc on va tout de suite aller voir les petits dinos. Hop, donc du coup, vous allez voir qu'il y en a un, il a plutôt bien grossi, alors ça a mis du temps quand même, parce qu'on a été quand même assez souvent là. Bon, il est un peu grossi, voilà, il est un petit peu devenu gros. Lui, pas du tout, lui, il est devenu, ouais, non, lui, il est resté normal. Non, mais lui, de toute façon, j'ai vu qu'il grandira pas beaucoup, hein. Ouais, alors lui, putain, il est déjà un peu plus gros. Donc voilà, donc on va les renommer tout de suite. Hop, donc lui, ce sera Yo-Yo, bien évidemment. Alors oui, donc on va essayer de renommer avec des gens qu'on connaît, tout ça, tout ça. Et celui-là, ça sera Irozar. Alors, Irozar va sûrement mourir. Ou alors, il va peut-être rester. Ça sera à vous de décider dans la fin de l'épisode. Voilà, voilà. Donc du coup, eh ben voilà, l'enclos hein, qui n'a pas changé, bien évidemment. Je voulais juste vous faire voir que les deux, là... Enfin, surtout lui, il est un peu gros. Enfin, si, le seul truc qui a changé, c'est là. Que j'ai refait. Ouais, non, ouais, le sas pour... Ouais, j'ai fait le sas de sortie et j'ai refait aussi la façade. Parce que bon, pour casser les verres à chaque fois, c'était relou, quoi. Donc du coup, voilà, bon, la petite Jeep qui est toujours là. T'as montré ce qu'il y a spécial dans cet enclos. Un truc très spécial. Oui, donc du coup, vous allez voir, hop, donc bon, c'est un petit enclos, voilà, où on peut aller par là. Oui, j'ai fait ça, regarde. T'as pas vu, je crois. Ah ouais. Donc du coup on pourra voir tout simplement les dinos de là. Donc au début on savait pas trop quoi mettre, on agrandira peut-être l'enclos. Alors je sais pas trop comment on peut l'agrandir mais on verra on bien. On peut l'approfondir. Voilà, parce qu'en fait à la fin donc, de la série hein, le but c'est quand même de vous proposer la map. Donc avec les mobs tout ça. Et puis si vous arrivez et que vous êtes en survie, vous, vous mettez là et le dino il vous saute dessus, il vous arrache. Ah oui, voilà, aussi on avait essayé de faire ça pour voir ce que c'était, mais on sait enfin ouais, pour mettre des trucs de sécurité. Donc, on sait pas trop, on sait pas trop comment ça marche, du coup on mettra sûrement des herbivores. Bah, en fait si moi je sais comment ça marche, mais en fait justement ça marche plus. Ah ok. Bah du coup en fait voilà, bon, la petite question qu'on vous reposera à la fin, c'est est-ce qu'on laisse Irozar là dedans. Et donc du coup bah il restera, il sera heureux, voilà, à côté donc de 4 autres Triceratops. Ou alors est-ce qu'on le déplace ici, ou est-ce qu'on le déplace pas, on l'arrache, on laisse les Triceratops tranquilles et on met autre chose ici. Notamment, je ne sais pas, autre chose, voilà, autre chose de plutôt drôle. Donc voilà, donc on attend vos avis également pour savoir si on agrandit cet enclos pour mettre autre chose. Tout ça, tout ça. Et donc voilà. Hop, du coup aujourd'hui, on va aller créer les 3 autres Triceratops. Tu vas où? Je pose juste des fossiles que je t'ai éliminé. Okay. Ah, on a encore 3 ans, putain, j'avais pas vu, je vais aller les mettre dans le coffre, vers le machin. Donc du coup, on va aller créer ça tout de suite. Hop, voilà, on va aller par là-bas. Donc voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre, toi? Je crois qu'on a un peu tout dit sur les améliorations, un peu qu'on a fait. Ouais. Il faudrait aller dormir. Ouais, ah oui, merde. Bon bah, je vais dormir. Également donc ouais, on voulait agrandir les cultures de blé, bon on n'a pas agrandi. Moi j'ai pas tellement joué en fait, donc c'est pour ça que... C'est moi qui m'occupe du serveur quand voilà. Il est off. Je vais aller dormir du coup directement. Parce que ouais du coup j'essaye de faire autre chose. Ah d'accord, donc très bien, hop. Mais l'enclos c'est ce qui m'a pris, enfin ça m'a pas pris beaucoup de temps en fait. Mais je trouve il est joli, je trouve il est plus propre que celui qu'on avait fait avant. Ouais. Enfin, moi tu trouves pas que c'est juste plus propre? Ouais.
Tu sais, avec un grand truc. Ouais, ouais, c'est vrai. À limite, le truc comme ça, on devrait le garder pour les gros dinosaures et pour les petits. Faire des enclos un peu plus souterrains. Mmh. Faudra aussi que je m'attelle à faire par là, je pense. Où par là-bas. Là-bas, ouais. Là, je pense que là, ce sera le côté sous-marin. Enfin, avec les sous-marins. Plein de pain pour faire les dinos. Je sais plus comment ça se fait exactement. Moi, j'ai juste mis donc les ambres dans le transformateur là. Et ça m'a donné donc des ADN. Hop, voilà. Très bien, très bien. Alors, je sais pas combien en tout on aura de pain avec tout ça. J'ai fait chaud. Voilà. Hop, je vais replanter vite fait. Puis du coup, on va aller créer les 5 autres. Les 3, 4 autres, pardon. 4 autres triceratops. Également, oui, on voulait vous dire quelque chose. Si vous voulez que justement les constructions, on les fasse en live. Car depuis pas très longtemps, je me suis assez bien remis au live, on va dire. Donc du coup voilà pourquoi pas faire des live sessions Jurassic Adventure pour tout ça quoi. Hop, donc, pour faire du live. En fait voilà. Limite ça pourrait faire connaître la série le live. Enfin ouais. Les gens qui s'y attelaient pas forcément pourraient la regarder. Du coup dites-nous si ça vous intéresserait. Et aujourd'hui moi je comptais terraformer. Donc on va terraformer. Très bien, très bien. Hop, du coup je vais aller créer les dinos juste après, je replante ça, hein, évidemment, ça fait un petit moment qu'on n'avait pas récupéré ça. Hop, voilà, donc j'ai mon seau d'eau, très bien, j'ai tout, je vais regarder là-dedans, hop, voilà. Et puis du coup, je vais y retourner. Donc du coup, les vaches qu'on a toujours pas arraché, on les nourrit pas, on s'en fout, bon, attendez, je vais les nourrir vite fait, miskin. Hop, tiens, tu veux pas? Voilà, et toi. D'accord, bon, c'est pas trop si c'est bon. Ok, c'est bon. Hop. Ok, très bien. Bon, là, il y a un nouveau. Donc là, bon, on casse qui terraforme. Hein. Bien évidemment. Ouais, un truc chiant. C'est moi qui m'en occupe. Hop, du coup, on va aller créer les petits dinos. Hop, je sais pas combien de pain j'aurai avec tout ça. Ah, bah, très bien. J'ai oublié de me déconnecter Steam. C'est pas bien grave. Hop. Voilà, d'accord, très bien, j'ai pris tarot. On va poser les ambres. Je vais. D'accord, donc bon, tant pis, on va mettre le pain comme ça. Oh putain, c'est chaud quoi. Ça prend masse. Ok, c'est bon. Oh, tu veux mettre de la viande aussi hein. Ouais. Hop, on va créer au moins un triceratops de plus aujourd'hui. Parce que je sais pas si on aura assez pour faire le reste. Ok, alors on prend l'ADN d'un triceratops, on va mettre là-dedans. Merde, c'est ici, c'est vrai. Ok, là c'est bon. Très bien, pourquoi il est comme ça? Je fous dans le coffre de dehors. D'accord, donc on voit plus à travers, alors je sais pas trop pourquoi. Bon, c'est pas bien grave, du temps que ça me le donne, moi je m'en fiche. On va poser ça et ça. Ou bien on va encore en avoir besoin. On va essayer de mettre un autre triceratops, je pense que c'est possible. Ok, bon, 60% bientôt. On va essayer au moins d'en faire deux. Ça sera plutôt pas mal. Ouais. Hop. Et limite, je pense qu'il faudrait ou le déplacer s'ils veulent pas qu'il. Faudra le déplacer le petit en fait. Ouais. S'ils veulent pas le tuer. S'ils veulent le tuer, ben il mourra, mais. Hop. Triceratops. Du coup, est-ce que c'est bon? Ok. Ok, donc c'est bon, on va en mettre un deuxième. Alors pour ça, je vais mettre ça. Ça. Ah oui, d'accord, donc le pain, genre, c'est bien mieux quoi. Oui, ça donne comme 3 blés en fait. Hop, et je vais mettre ça là-dedans. Et on va attendre encore du coup une fois ce T-Rex. Ce T-Rex, bien sûr, ce Triceratops. Et puis on va être bon. Mais t'as pas de T-Rex aussi, t'as dit? Ouais. Donc du coup ouais je vais vous refaire voir les dinos qu'on a. Hop, donc du coup voilà, on pensait mettre eux en fait dans le petit enclos, sauf que du coup en fait on a vu qu'ils étaient assez gros, du coup qui risquent quand même bien de faire quand même pas mal de dégâts, on va dire, si après quand vous viendrez. Ça c'est pacifique, le T-Rex bon on va éviter de le mettre là, le Game News bah c'est une autre ADN donc du premier qu'on avait eu, et le Triceratops donc voilà. Donc on attend, donc il a 80% pour l'instant, donc ça va. Hop, 90.
coup ça, je sais même plus à quoi ça sert. Et après faudra faudra aussi faire faut commencer à faire des constructions comme un bar, parce que dans des eaux il y a des bars, non, enfin pas des bars, des restaurants, ouais. Un truc de souvenir, faire des trucs comme ça, un musée aussi avec où je mettrais des crânes. Et ça justement peut-être plus le faire en live, donc si ouais vous... Mais d'abord faudrait que je fasse un plan en fait, faudrait qu'on se fasse un plan pour dire tout ce qu'on veut faire et ouais, parce que là on travaille un peu la rage, genre enfin, on construit un peu où on veut. Il faudra faire un plan. Faudrait qu'on s'attache sur ça. Et du coup, je vais aller poser les deux autres. Oh non, attendez, je vais attendre le dernier quand même. Par contre, ça arrache ma pelle. Ma pelle, elle est efficacité de solidité 2, mais ça l'arrache. C'est ça. Hop. Ok, donc là, il y a un. On va transformer les trois autres en bois. Pour vous voyez un peu qu'est-ce que ça va donner. Et les routes, je les fais en quoi? En gravier? Les routes, ouais, bah oui. Je sais pas si okay. Pas trop. Ah, bah tiens, un vélociraptor. Très bien, donc on a un vélociraptor, on va le mettre ici. Un truc. Très bien. Et le dernier, un dilophosaure. Ouais, donc ça, c'est, j'ai l'impression qu'on a un bon ratio d'avoir ces trucs, parce que ça fait quand même le troisième. C'est un peu comme le triceratops. Hop, je crois qu'on avait aussi dû des mammouths, mais je crois que je les ai laissés à la maison. J'ai eu une seringue de mammouth, je sais pas trop à quoi ça mammouth, ouais, on en a une. Hop, elle est dans les coffres, je crois. Ouais. Hop, du coup j'y vais. Du coup tu viens avec moi. On va aller poser les petits. Bah j'y suis de toute façon, à côté de l'enclos. Ah oui ça. Hop, ah oui t'es là. Terraformer de l'extrême. Pas trop non. Enfin j'ai fait que ça. Hop, du coup là on a encore les matériaux, faudra penser à les bouger. On a pas encore fait. Hop, tu vas le foutre trop là, tu vas foutre quoi toi? Je passe par au-dessus. Je passe les trois triceratops. Vas-y je me mets là. T'es où? Mets-les vers moi pour que je veille. Ah, on va les pousser. D'accord. Non, en fait, faudrait vraiment faire des barrières parce que là on peut pas voir en fait en dessous de nous. T'as mis quoi? Faudrait faire un autre endroit. Ouais. Bah, ah ouais. Ouais, ou limite, s'il faudrait mettre, c'est des escaliers, tu sais, faire un. On verra bien. Ouais. Parce que bon, au pire, voilà, si en fait, tomber dans cet enclos, c'est pas bien grave parce que bon, c'est une des triceratops. Enfin, en soi, ils sont pas méchants. Donc, bon. Faudrait mettre des blocs invisibles aussi. Ah ouais, pas con. Ah oui, mais pas qu'il rentre. Non, parce que. Ouais, c'est vrai. Non, faudrait mettre que les gamut 3 ils peuvent pas casser. D'accord, donc j'ai mis les 3 œufs l'un sur l'autre, très bien. Vous allez voir que les petits. T'as pris le gamepad pour checker? Oh merde, putain, le gamepad. On l'a laissé où? Il doit être dans un coffre. Je vais aller voir le coffre des enchantes, il y a tout mon stuff, je trouve, il était dedans. Dans le stuff là-haut là? Ah non, oui, je sais, j'ai dans le labo. Je l'ai mis dans le tout premier coffre en haut. Faut que j'aille voir. Ok, bon, là il y a une petite vache qui passe par là. Très bien. Hop. Je te vois bugger. Ah ouais? Ouais, je t'ai vu TP d'un coup. Je sais pas si je bug. T'as apparemment toute la terre qu'on aura. Hop. Alors, ouais, ok. Donc il est là le gamepad. Ah oui, mais on l'a laissé tout faire ici. Bon, écoutez, c'est pas bien grave, on s'en fiche. Dinopad. Hop. On remonte. Puis voilà, bon là on aura fait pas mal d'allers-retours. Ça aurait été pas mal d'avoir la Ferrari, mais bon. Elle est cassée. Hop. Ah oui, la Ferrari elle est morte. Ouais, la Ferrari elle est morte. On a un peu niqué le game avec ça quand même. C'est ça. Du coup, hop, on va ouvrir. Hop. En fait, voilà. Même la route, je l'ai détruit. Et. Alors, donc lui, déjà. Ok, donc lui, il a bien grandi, ça va. D'accord, donc c'est lui qui a gueulé ou... D'accord, donc les œufs. D'accord, donc il y a un œuf qui est bientôt, mais il y en a des qui sont finis apparemment. Non, lui c'est Yo-Yo. Ah oui, ils sont là, regardez. Ah, mais il est pas la même couleur lui. Attends, viens voir. J'espère que c'est pas un des gros blancs buggy, enfin un des gros blancs là. Non, c'est pas eux. Regardez, ouais, donc il a bien grandi, lui là, viens. Ouais, oh, ouais, ils il a mignons. La tête verte. Et lui, il a la tête rouge un peu. Oh, ils sont trop mignons. Et aux arts, et toi, qu'est-ce que tu fous là, toi? Ouais. Ah, regarde, il y en a un autre là. Ah oui. Donc lui aussi, il est vert. Je sais pas si c'est parce qu'il est petit. Je vais lui donner un pain. Merde. Tiens. Du pain. Ah oui, bah tiens, adopte-en un, toi. T'as du pain? Ouais, j'en ai un. Bah adopte-le. Quel, lui là? Ouais. Il a pas aimé mon pain. Tu
veux pas le pain? Donne-moi plus de pain. Donne-moi plus de pain. Donne-moi plus de pain. Tiens. Est-ce que j'en ai pas assez? Vite, il va les bouffer sinon. Non, okay. Il bouffe pas. Ce qui est pas grave. Tiens, attends, enlève-le de ta main, toi. T'as mis ça dans les couilles de moi, il m'aime pas. Ah, c'est bon, il m'aime. Et alors, du coup, là, normalement. Ouais, le... donc lui, il est à toi. Et le dernier, il est pas encore sorti de. Il est pas encore sorti de l'œuf, lui. Oh non, je crois qu'il est mort. Non. Tu vois? Mais il est à 100%, ça met. What? Mais je l'ai repris. Bon, on va le reposer. Mais non, mais. Bon, on le repose. Très bien. Je ne sais pas que ça allait faire ça. Bon, c'est bon, il est à 3%. Et putain, bon, mais il a quoi, lui? Il dégage. Tiens, je t'ai jeté du pain. Oh là là, le relou. Il aime pas les petites blagues, mais. Mais non, mais. Bon, bah, nique ta mère. Très chiant. Hop, je vais regarder. D'accord, bon, il a 18%. Ouais, bon, il veut pas régénérer sa vie. Alors, lui, est-ce qu'il a. Ok, donc lui, il a 5 jours. Très bien, très bien. Et lui, et l'autre, il est où? Yo-yo? Yo-yo? Le gros porc? Ah, il est là. Et lui, donc, il a 6 jours. Et lui, 0. D'accord. Faudrait peut-être aller dormir avant que ça spawn dans les enclos. Ouais, bah, vas-y, bah, on va dormir. Qu'on va voir si l'autre il a spawn. Mais ah, oui, d'ailleurs, faudrait refaire des cartes pour. Parce que, ouais, la notre carte, elle est encore obsolète. C'est quand il y avait la route, il y avait pas d'enclos. Ah, ouais. Ah, oui, oui, putain, merde. Ah, mais ça s'actualise pas. Non, non, ça s'actualise pas. Ça fait les premières fois qu'on a généré. Ok, ok, bon. Bah écoutez, on va aller retourner voir les petits dinos, puis du coup on va s'arrêter là pour cet épisode. Hop, je vais aller par là-bas. J'aimerais bien que l'autre il les cloue avant. Puis voilà, merde, mais putain, je laisse ouvert en fait. On a fait un sas, mais genre on l'a laissé ouvert. Ah ouais? Est-ce que. Bon, mais c'est 80%. Toi, hein. Ouais, moi je vais pas fermer. Et lui là, du coup. D'accord, très bien. Bon, du coup, il faudrait que t'en aies un aussi, un dernier. Si t'as encore ah pains. Bah ouais, j'ai ça, plus on pain. En aura deux chacun. Très non, j'ai plus de pain du tout. Bah tiens, je t'en passerai. Je t'en mets devant la porte. Je remets tout ce que j'ai chopé là. Ah, c'est bon, il a spawn. Fais voir, t'as quelle tête toi? Et lui, il a une tête rouge. Il est déjà tout gros lui. Ok, lui, il a une tête rouge. Tiens, prends du petit pain. Ah, mais c'est par rapport à femelle ou pas? Attends, fais voir. Ah, attends. Ouais, ok, d'accord. Et lui, c'est un mâle, c'est ça? Ah, ok, les mâles, ils ont la tête verte un peu. Ouais, voilà, c'est ouais, ça. Comment on fait pour donner du pain? Tête rouge. Oui, il veut pas de pain. Fracasse-lui un petit coup, il donne-lui. Ah, oui, il faut lui mettre un peu de vie. Ouais, parce que sinon, il veut pas. Tiens, mâle. Non, 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 arrache-le pas. Tiens, prends le petit pain. Non, mais il en veut pas, hein. Si tu as déjà. Oh, mais ils s'attaquent entre eux. Ah, oui, mais c'est vrai, ils vont se battre entre eux. Car si. Pour le mâle dominant. Ils vont s'arracher. Tiens, oh, ouais, faut pas qu'il meure. Attends, prends le petit pain. Hein. Prends le petit pain. Attends, mais c'est. Mais je comprends pas. Mais non, non. What? Mais il est ses petits coups, il a 25 points. Mais c'est qui arrache tout le monde? C'est Yohan. C'est Yo-Yo parce qu'il est plus gros. Non, c'est les deux mâles, je crois. Ouais, c'est ça. Oui, c'est... Mais non, c'est la femelle qui se martyre. Mais skin. Oh, arrête-toi. Lâche-la, toi. Lâche-le, ah, lâche-le. Toi, tu meurs. Mais attends, mais... Mais il est avec toi, lui. Oh, merde. Non, non, non. Mais non, mais... Arrêtez de vous battre, arrêtez. Oh, putain. Ça, c'est ton problème de... Oh, non, putain. Bon, bah, l'un des deux mal dominants. Mais non, mais ils veulent arracher tout le monde, putain. Ils ont aucun respect. Non, il s'est fait arracher. Dégage. Mais non, mais ils ont arraché le petit Kulmise. Non. Non, mais oh, quelle race. Mais il est mort. Il est mort. Mais non, il est pas mort. Enfin, il est bugué. Mec, regarde ce qui reste. Il n'en reste que ça. Mais non, il est... Qui c'est qui est mort? Mais c'est un des trucs, là, il l'arrache. Il a 2 points de vie, lui. Mais tiens, bouffe, vite. Ils ont bleu, sauf le. Putain, mais ils ont aucune peine. C'est Johan qui est mort, c'est le plus gros, il s'est pas arrêté. C'est Johan. Oui, ah non, non, Yo-Yo, il est là. J'ai tout calme, c'est le plus gentil. Ok, ta mère. Et... Ah, mais oui, mais c'est parce qu'il y avait deux mâles. C'est ça, et elle, c'est une femelle, c'est ça? Oui, ouais, voilà, fait... putain, mais il faut pas mettre deux mâles, putain, on était trop cons aussi. En fait, elle prenait des coups parce qu'elle était au milieu, en fait. Ouais.
Oh putain, merde! Tiens, bouffe du peu. Non, c'est moi, bon, la plus faim. Bon, mais écoutez, c'est sur une baston de Triceratops qu'on va s'arrêter là donc pour cet épisode. Au final, bon, il aura fait le même temps que les deux autres, donc c'était plutôt bien mal. Dites-nous si Rousard, il faut qu'on le dégage. Je sais pas où il est. Il est là. Ouais, bon, lui, il aime bien se cacher là. Donc voilà, si Rousard, il faut qu'on le déplace là-bas ou si on l'arrache et on met autre chose là-bas. Par exemple, le Velociraptor qu'on a eu. En tout cas voilà, merci à vous d'avoir regardé cet épisode numéro 4. N'hésitez pas à laisser un petit like, un petit commentaire. On est encore désolé pour l'absence de vidéo qu'il y aurait eu ce vendredi là. Et puis voilà, du coup on se retrouve vendredi cette fois-ci. Bye tout le monde.